Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans ce live du 28 novembre 2020. Nous sommes samedi, je crois. C'est ça, un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, on est en live sur YouTube, je vois qu'on est en live sur Facebook, tout semble bien fonctionner, on va voir au niveau de la connexion et tout. Voilà, vous me dites si vous me recevez bien, moi de mon côté, ça a l'air plutôt pas mal. Aujourd'hui, comme d'habitude, on répond aux questions qui me sont posées sur la chaîne par message et compagnie. Et puis, bien évidemment, on interagit ensemble sur le chat. Je vois d'ailleurs qu'il y a Maïté qui est là, qui dit « Bonjour les jeunes ». Donc, ma vénérable épouse, l'autre jeune habituellement présente dans ce live, devrait arriver un petit peu après. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec, avec tout simplement des questions qui me sont posées. Alors aujourd'hui, on a pas mal de choses qui sont intéressantes. J'ai une question sur les smartphones chinois, j'ai une question sur le calendrier chinois, j'ai une question sur... qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Je ne sais même plus du coup. Comment ça s'appelle mon titre déjà? Je ne sais plus. On a pas mal de petites questions. Voilà, restez bien jusqu'au bout parce qu'on a plein de trucs comme d'habitude. On va apprendre plein de choses et on va bien évidemment échanger et s'enrichir mutuellement grâce au chat en direct. Catherine, justement sur le chat, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons tous très bien, ce qui est plutôt une bonne chose parce que la petite avait été fortement malade ces derniers temps. On n'en avait pas trop parlé, mais ça va mieux et ça fait du bien. Alors, Thirsty, salut, salut, salut à toi. Ouais, je vois plus ton icône maintenant. Bonjour, nous dit Chiambo, la connexion est excellente, l'image est parfaite. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'aime bien quand ça va bien. Voilà. Maïté nous dit « Je suis lapin, je crois, mon mari cochon. » Je suis lapin aussi. Voilà, alors on va commencer avec les questions et bien évidemment, on peut échanger aussi à l'intérieur du live. Je ne sais pas ce qu'on a eu comme actualité là récemment qu'on pourrait évoquer. Il ne se passe pas grand-chose là ces jours-ci, franchement. Qu'est-ce qu'on a? Non, pas grand-chose. Bon, c'est plutôt bien d'ailleurs. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors... BB aussi présent qui nous dit bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question qui était posée? Ah, comment devient-on polyglotte? On m'a posé la question comment devenir polyglotte, Cédric. Je sais que tu parles le chinois, tu parles l'anglais, tu parles un petit peu d'allemand, tu parles un petit peu de japonais, un petit peu de thaï, tu parles du français, bien évidemment. Tu as appris cette langue, j'ai touché au tagalog, des choses comme ça. Et je voudrais moi aussi devenir polyglotte. Alors, comment est-ce qu'on devient polyglotte? Bon. Déjà, qu'est-ce que c'est un polyglotte? Il faut faire attention, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui est bilingue ou trilingue. Quand on parle de multilinguisme, généralement, ça va être quelqu'un qui va avoir un niveau de type langue maternelle dans une langue ou dans une autre. Moi, je peux avoir vraiment un niveau bilingue en anglais, en chinois, en français. Je peux vraiment me débrouiller pour tout dans toutes les situations de la vie de tous les jours dans ces trois langues-là et switcher de l'une à l'autre aussi sans aucune difficulté. Donc, je suis trilingue. Mais je ne suis pas plus, au final, au niveau du multilinguisme parce que les autres langues que je parle, je dépasse rarement le niveau courant, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Bon, après, il faut bien sûr noter quelque chose d'intéressant, c'est que même dans sa langue maternelle, on n'est jamais vraiment complètement parfait quand tu entends quelqu'un qui va te parler, je ne sais pas, moi, tu as quelque chose de scientifique, de macroéconomie, microéconomie, si ce n'est pas ta spécialité, de science, de biologie, de, je ne sais pas, moi, de toutes ces choses-là, au final, de bourse même, si tu veux, tu vois, donc tout ce qui est trading, tout ce qui est marketing, etc. Au final, c'est ta langue, mais tu ne le comprends pas forcément, tu vois le bonhomme. Donc, il faut aussi se fixer des limites au niveau du niveau, au niveau courant, au niveau bilingue. Moi, je juge qu'on est vraiment au niveau courant. Quand on a un niveau HSK4-5 en chinois ou un niveau B2, donc en français, allemand, etc., selon le cercle de référence des langues européennes, et qu'on a un niveau bilingue à partir du moment où on peut switcher d'une langue à l'autre et parler naturellement dans les situations de la vie de tous les jours sans aucun souci. Moi, quand je parle par exemple en allemand, je lutte, c'est dur, c'est difficile, tu vois, c'est compliqué, c'est pas naturel, je peux presque tout comprendre les trucs de la vie de tous les jours, je peux réussir à me débrouiller dans la vie de tous les jours, tu vois, c'est un niveau courant, mais je me sens pas bilingue, quoi. Je me sens pas vraiment, tu vois, je peux pas parler comme je parle avec ma femme ou mes enfants, tu vois, en switchant à l'anglais ou chinois. Donc voilà, il y a ça, et donc le polyglottisme, c'est pas pareil que le multilinguisme, c'est à mon sens, hein. Dites-moi si je me trompe au niveau de la traduction, mais ça permet d'avoir un niveau plus bas en langue, mais de connaître plus de langues,
Et on est polyglotte à partir de plus de langues, tout simplement. Et je crois qu'à partir de 5 ou 6 langues, on s'appelle hyperglotte. Donc moi, je ne sais pas si je suis hyperglotte ou pas, parce qu'après, je préfère rester modeste sur mon niveau en certaines langues quand même. Mais on peut dire effectivement que je suis aussi polyglotte ou trilingue. Bon, comment est-ce qu'on devient polyglotte ? Ça, c'est une question intéressante. On peut devenir polyglotte, bah, tout simplement, à partir du moment où on considère que tous les bilingues trilingues sont polyglottes, tout simplement en grandissant dans une famille donc binationale, comme on l'avait évoqué dans d'autres vidéos, ou bien alors, tout simplement, en apprenant, en prenant des cours, tout simplement en se focalisant sur le parler courant de la vie de tous les jours dans chacune des langues que l'on va étudier et en essayant d'atteindre un niveau HSK4-5 en chinois ou un niveau de référence B2 selon le cercle de référence européen des langues pour les langues en général. Il faut savoir que je fais la distinction entre les deux parce qu'au niveau du Ramban, du ministère de l'éducation chinois pour l'apprentissage du chinois, etc., ils disent que le HSK4, c'est le niveau B2, mais en Europe, ils disent que le HSK4, ce n'est pas vraiment un B2, c'est un faux B2, c'est un B1+. Il faudrait vraiment un HSK5 pour avoir un niveau B2. C'est pour ça que je dis les deux quand j'évoque ça parce que j'ai ça en tête. Et ensuite, bah voilà, faut bosser tout simplement, faut passer du temps pour apprendre la langue, encaisser suffisamment de mots de vocabulaire, au moins 1200 mots de vocabulaire dans chacune des langues que tu vas apprendre. Bien évidemment, il faut que ces mots-là soient parmi les plus fréquents de la langue, c'est certain, quoi. Ça sert à rien d'aller apprendre 1200 mots spécialisés dans la macroéconomie. Tu ne seras pas au final polyglotte, on ne pourra pas dire que tu es polyglotte. J'avais vu cette histoire une fois d'un gars qui m'avait parlé, il m'avait dit à mon prof, il est d'origine polonaise ou je ne sais plus quoi, et son anglais, il est meilleur que le mien parce qu'il me parle de... C'était un prof de science, tu vois, il me parle de tout ce qui est membrane, oculaire, machin, chose, en anglais, des termes que moi, je ne connais même pas. Et puis un jour, il s'est rendu compte que son prof, au final, il y avait des termes très simples de la vie de tous les jours qu'il ne comprenait pas, lui. Donc, ça ne fait pas de sens. On ne pouvait pas dire vraiment que la personne était polyglotte parce qu'elle n'avait pas le niveau courant, elle avait un niveau spécialisé sans avoir le niveau courant, quoi. Ça fait pas de sens. Donc voilà, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Si tu te concentres sur les 1200 mots les plus fréquents, les plus utiles de la langue, que tu souhaites apprendre simplement, tu pourras rapidement devenir polyglotte dans une nouvelle langue, enfin devenir un niveau courant dans une nouvelle langue et donc augmenter d'une langue ton niveau de polyglottisme et tendre même vers l'hyperglottisme. Et quand on voit les choses comme ça, quand on travaille par la fréquence, quand on travaille avec l'efficacité, l'efficience, on se rend compte que on peut apprendre quasiment une langue par an ou une langue tous les 2 ans. C'est pour ça qu'on arrive à trouver des gens qui sont très 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 performants au niveau de l'apprentissage des langues et qui deviennent des hyperglottes. On a l'impression qu'ils ont un gène. Tu vois, c'est dans leur gène, c'est dans leur nature, c'est comme ça, ils ont cette chance-là, mais en fait, non, pas du tout. C'est qu'ils travaillent de manière efficace, efficiente, et ils travaillent avec la fréquence, avec des techniques qui marchent plutôt que des techniques qui ne marchent pas, et bien souvent avec des méthodes qui sont naturelles, un petit peu comme la PNL aussi. Il y en a qui le font sans apprendre les méthodes, mais quand tu vas regarder un enfant, les enfants qui sont les premiers de la classe à l'école, souvent au final, ils font de manière naturelle ce qu'on pourrait t'enseigner avec la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est très intéressant. Donc voilà ce qu'il faut faire, il faut travailler de manière efficace, 1200 mots les plus fréquents, les plus utiles pour le niveau courant, niveau B2 ou HSK5, hein, on va aller vers les un peu plus que 1200 mots. On va dire 1500, 1800, pourquoi pas, jusqu'à 2500 maximum. Et tu te rends compte que ça fait moins peur quand tu vois les choses comme ça, parce que plutôt que de te dire il y a 80 000 caractères chinois, il y a 50 000 mots dans le dictionnaire français, on se rend compte qu'au final, on en apprend 2-3 tous les jours, et en 2 ans, on est bilingue, quoi. Enfin, on parle couramment la langue, pardon. On peut devenir polyglotte au final en 2 ans, 4 ans, 6 ans, avec 2, 3, 4 langues à son portefeuille de langue, quoi. Voilà comment est-ce qu'on devient polyglotte selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « c'est pas si facile que ça, au final, il faut 7 ans pour apprendre une langue, etc. » C'est ce que la plupart des gens pensent. Mais c'est parce que la plupart des gens travaillent de manière scolaire et travaillent avec juste 3 heures par semaine de manière séparée, une heure par-ci, une heure par-là. Ça dépend aussi le travail que tu fournis, l'investissement que tu y mets, l'environnement, est-ce que tu te crées
toi-même un environnement, est-ce que tu travailles avec la méthode naturelle ou pas, etc. quoi. Donc bien évidemment, il y a des gens qui vont mettre 7 ans, voire 15 ans, voire toute une vie pour apprendre une langue sans jamais forcément y arriver parce qu'ils n'auront pas la bonne méthode, tout simplement. Et il y en a d'autres qui vont les enchaîner les unes après les autres. Encore une fois, il faut arrêter de penser que c'est magique et que voilà, il y en a qui ont cette chance, qui ont ce gène-là et qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas. C'est ce que je veux faire passer. C'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez le faire aussi. Et je suis sûr que dans les gens qui nous suivent au quotidien, il y en a plusieurs qui pourront témoigner de ça. Alors, bébé qui nous dit le plus difficile est d'éduquer son cerveau à réfléchir dans chacune des langues. Oui, c'est ça. Après, il y a un palier au final. Quand tu arrives à un certain niveau, tu commences à réussir à penser dans la langue et à rêver dans la langue, à imaginer des choses dans la langue ou même à voir certaines choses qui te paraissent plus logiques dans une langue que dans l'autre. Et donc, quand tu vas évoquer une chose ou l'autre, tu vas le penser dans cette langue-là. Et ça se fait au fur et à mesure, ça se fait avec le temps. C'est juste super efficace. Bienvenue par Dimou. Bienvenue parmi nous, Madame Bou. Tu as un bien beau carnet ici. Ils sont bien modernes. Ah bon? Salut tout le monde, nous dit Thibaut. B, l'immersion est la meilleure technique d'apprentissage. L'immersion est un outil supplémentaire. Pour moi, selon moi, la meilleure technique, entre guillemets, d'apprentissage d'une langue, ça va être d'utiliser la fréquence et la répétition espacée. L'immersion, c'est quelque chose qui va te permettre de booster tout ça. Après, voilà, il y a des catalyseurs et il y a des techniques. L'immersion, ça sera un catalyseur aussi. On oublie que même pour le français en langue maternelle, quand on était enfant, on passait 6 heures par jour, 5 jours par semaine à apprendre à lire, écrire, parler et même voir plus. C'est ça. Au final, j'avais fait l'étude et j'en avais publié un article il y a quelques années déjà. On se rendait compte que les enfants étaient beaucoup plus lents d'ailleurs à apprendre les langues que les adultes. Parce que quand tu vois l'exposition qu'ils ont, la pratique qu'ils ont, etc., par rapport à un adulte, et le niveau qu'ils ont après 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est ridicule au final ce qu'ils arrivent à faire par rapport à un adulte qui bosse efficacement une nouvelle langue. Mais ils ont cet avantage, les enfants par contre, d'avoir le cerveau plus malléable, notamment en ce qui est à l'écoute des fréquences pour reproduire exactement les sons. On parlait de Lucie la dernière fois aussi, qui a pas d'accent quand elle parle thaïlandais, pas d'accent quand elle parle japonais, pas d'accent quand elle parle français, pas d'accent quand elle parle chinois. C'est juste impressionnant. Et deuxième avantage qu'ils ont les enfants, c'est que même s'ils sont très lents à apprendre les langues, ils font ça facilement au final, ils font ça par le jeu, ils s'amusent, ils vivent tout simplement la langue. Et ça d'ailleurs c'est la méthode naturelle, c'est quelque chose que l'on peut reproduire aussi nous autres adultes et qu'on oublie trop souvent. On oublie trop souvent, on veut travailler avec des livres, on veut travailler de manière analytique, on veut tout comprendre, tout décortiquer, comprendre toutes les règles, etc. Alors que quand tu vois quand tu étais enfant, t'arrivais à bien parler français sans avoir étudié le Becherel, tu vois. T'arrivais à parler donc ta langue maternelle sans avoir à étudier l'étymologie de chaque élément, tu vois. T'arrivais à parler ta langue sans avoir à travailler sur chacun des synonymes. Je vois des gens qui veulent essayer de tout comprendre, tout décortiquer, etc., parce qu'ils veulent bien apprendre la langue, alors qu'au final, voilà, c'est vraiment de écouter, répéter, et puis du jeu, pratiquer, beaucoup de pratique et beaucoup d'erreurs, et ensuite tu recommences, quoi. Et ça, c'est la méthode naturelle qu'on évoque justement dans les cours que je donne aussi au niveau de l'apprentissage du chinois. Tu as le lien en-dessus ou en-dessous dans la description, quoi. On essaye de travailler de manière naturelle, efficace, efficiente. Et voilà, c'est tout à fait pertinent ce que tu dis là, Thibaut. C'est quelque chose que les gens oublient beaucoup et ils se disent, voilà, parce que je suis vieux, maintenant, je ne peux pas. Alors qu'on peut tout à fait reproduire ça et être encore plus efficace que les enfants, quoi. B, je me souviens d'avoir fait d'énormes progrès en espagnol quand je devais parler constamment dans cette langue jusqu'à penser et rêver dans cette nouvelle langue. Voilà, il faut se forcer au final à parler la langue. Et encore une fois, c'est la méthode naturelle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ce qu'il faut, c'est l'immersion. Au final, ce n'est pas ça l'immersion. L'immersion, ça va être un catalyseur qui va justement te forcer à utiliser la langue, qui va te forcer à parler la langue. Mais tu remarques qu'il y a des gens aussi qui vont aller vivre en Chine, qui vont rester dans une communauté française ou qui ne vont pas faire l'effort, qui vont réussir à faire les choses sans avoir à sortir de leur zone de confort tout simplement. Et qui, même en étant immergés pendant 20 ans, j'ai des témoignages de ça aussi de personnes en Chine qui me l'ont dit, ça fait 20 ans que je suis en Chine, je ne parle pas un mot de chinois, quoi. Tu vois, ce n'est pas la solution à tout, l'immersion. Par contre, le fait d'être forcé à utiliser la langue et à pratiquer, c'est ça qui fait la différence. Et ça, on peut le reproduire de manière artificielle à partir du moment où on le sait
et puis on peut recréer ça eh bien, donc, dans n'importe quel pays du monde, comme Lucie, par exemple, qui a appris le chinois alors qu'elle a grandi en Thaïlande et qui parle couramment français et chinois, qui ne sont pas des langues officielles en Thaïlande, je vous le dis, croyez-moi. Pascal Amar, qui nous dit « Salut à vous deux !» Salut, Pascal, ma vénérable épouse qui se cache derrière, je ne sais pas ce qu'elle fait. Tu prends des tasses ? Ah bah oui. Mais si, je l'avais nettoyée, ma tasse. Elle est où, ma tasse ? Mon gaïouin. Ouais, il y avait du miel sur la coupelle. Ok. Catherine, savoir écrire les caractères chinois s'oublie tellement vite si on ne pratique pas. Oui, un truc qui aide beaucoup, c'est de travailler de manière naturelle, encore une fois, avec la répétition espacée que l'on peut, par exemple, recréer avec Anki. Et puis Anki, tu fais ton Anki tous les jours et il va te rappeler de manière de plus en plus espacée tous les jours de retravailler tel ou tel caractère. Et si tu fais ça, tu vois, quelques minutes de Anki chaque jour, tu peux l'utiliser pour plein de trucs, Anki. Hein. C'est pas que pour le vocabulaire, pour les règles de grammaire, ça marche, pour les caractères, ça marche, pour les sons, les paires minimales, toutes les choses qu'on évoque dans les cours, encore une fois. Tu peux donc l'utiliser aussi pour l'écrit. Et du coup, tu n'oublieras jamais tes caractères en travaillant avec Anki si tu le fais un tout petit peu tous les jours. C'est la méthode naturelle, encore une fois. C'est comme ton code de carte bleue ou comme le piano ou j'en sais rien, quoi, tout ce qui est mécanique aussi. Si tu le fais de manière quotidienne ou de manière en tout cas régulière, ton code de carte bleue, un numéro de téléphone, des choses comme ça, tu l'oublieras jamais. Mais si du jour au lendemain, par exemple, tu changes de pays, tu te rendras compte qu'au bout d'un moment, tu ne te souviendras plus de c'était quoi ton code de carte bleue avant en France, c'était quoi le numéro de téléphone de je sais pas, moi, de tes parents quand tu étais en France et qu'ils étaient dans leur maison de vacances. Tu vois, le truc que tu faisais mécaniquement avant, et puis tu l'oubliais jamais parce que toutes les trois semaines, eh bien, à chaque fois, tu retombais dessus. Tu vois. Il faut reproduire, encore une fois, ce que notre cerveau fait naturellement. C'est à peu près la même réponse pour, pour tous les commentaires que j'ai aujourd'hui, mais c'est ça, quoi. Si on ne pratique pas, tu peux tout oublier, pas que ton chinois. Tu peux tout oublier, voilà, tu peux oublier où sont les notes, où sont les touches sur le clavier, où sont les notes sur le piano, où sont... ça va ? On va vider l'armoire. Tu peux oublier, je ne sais pas moi, donc comment écrire tes caractères. Tu peux oublier ton français aussi. Moi, j'oublie aussi maintenant mon français avec le temps, tu vois. Je ne sais plus si enveloppe, c'est 2P, 2L ou c'est quoi, tu vois. Où tu mélanges des trucs, des mots français, des mots anglais, des choses comme ça. Parce que les choses, je ne les écris plus, je ne les fais plus, quoi. Ou je ne les fais pas assez régulièrement. Et au final, même si j'acquiers de nouvelles langues et je suis plutôt pas mal au niveau de pas mal de langues, au final, j'ai un bon niveau. Mais le niveau d'excellence que j'avais avant en français, il a rabaissé et j'arrive à un niveau très bon dans chacune des langues, mais je n'ai plus aucune langue qui a un niveau excellent parce que ce n'est pas possible justement de travailler, de mettre toute son énergie sur une seule langue à partir du moment où tu travailles plusieurs langues. Ça fait sens en tout cas. Donc c'est très intéressant ce que tu dis, Catherine. Effectivement, il faut pratiquer un minimum, travailler encore une fois sur l'efficacité, sur l'efficience. Et donc, ce qui sera le plus utile dans ce cas-là, c'est de travailler avec la répétition espacée. Tu utilises un logiciel comme Anki qui est gratuit. Et puis, le tour est joué. Info Furax TV. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah non, bah non, je vais les mettre sur la boutique. Bonjour messieurs, dames, conseil d'un ami qui m'a dit « Va voir cette chaîne, elle vaut le détour », ben me voilà, enchanté. Salutations à toi, Info Furax TV, bienvenue parmi nous. Catherine, merci pour le conseil, je vais m'y remettre, ça me rappelle mon enfance à recopier les caractères. Ben oui, c'est ça, et sauf que au final, quand on est enfant, on ne travaille pas sur l'efficacité. Et c'est pour ça qu'on a tendance à oublier aussi. Ils vont nous donner à faire, tiens, des nouveaux mots de vocabulaire, tu les recopies 5 fois chacun, tous les soirs, pendant 2 semaines, jusqu'à l'évaluation. Et après l'évaluation, c'est fini. Et la plupart des élèves qui travaillent de manière scolaire, encore une fois, en collège, lycée, peut-être vous aussi, moi c'était le cas en tout cas, une fois qu'ils ont passé l'examen, le cours, après quelques semaines, c'est fini, c'est oublié, quoi, tu vois, parce qu'on ne le retravaille plus, quoi. Et tu sors du collège, tu sors du lycée, ce que tu as appris en troisième, que tu as appris en seconde, en première, en terminale, moi, aujourd'hui, tu me le demandes, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai oublié, quoi, parce que je ne retravaille pas là-dessus, à moins que ça soit ton métier maintenant. Tu vois, tu deviens prof d'histoire, bien sûr, tu ne veux pas oublier tes dates d'histoire, quoi. Parce que justement, tu les répètes et tu les retravailles, quoi. Mais moi, si tu me demandes certaines dates de certains trucs, c'est juste pas possible, quoi. Des choses que je sais que j'ai appris, je les ai pas, je les ai plus, quoi. Parce que justement, on a travaillé comme ça.
On a utilisé la manière scolaire et non pas la manière naturelle. La manière scolaire, elle est très bien pour réussir tes examens, pour réussir tes partiels. Mais au final, si tu veux utiliser quelque chose sur le long terme, que tu veux jamais oublier quelque chose et que tu veux épater tous tes amis en connaissant toujours toutes les dates de tout et puis tous tes cours de maths et tous tes cours d'histoire géo et compagnie, il faudra répéter ça de manière régulière. Et même si c'est au final de moins en moins régulier, de plus en plus espacé, justement avec la répétition espacée, il faut faire ce travail minimal pour ne pas tout oublier. Et donc... ah, si vous voyez ce qui se passe derrière les scènes, derrière la caméra et tout. Bon, c'est pas grave, mon bébé. Alors, voilà. Thibaut, alors Cédric, on fait pas sa vaisselle. Chut, Thibaut, voyons. Red nous dit, il y a une galerie Lafayette qui va ouvrir à Guiyang, il me semble. Ah bon? On va avoir une galerie Lafayette à Guiyang, on nous dit. Ah bon? Comme galerie Lafayette à Paris, quoi. Ouais. Où ça? Qui est-ce qui t'a dit ça? Quand ça? Comment ça? S'il y a ça, je vais faire un vlog. Il est où mon téléphone? Non, c'est bon, il y a pas de souci. Là, on fout rien, Mathieu. Ouais. Les galeries Lafayette à Guiyang. Mais ça serait génial, ça, franchement. Enfin, génial. Galeries Lafayette ouvriront un troisième magasin en Chine. Après Pékin et Shanghai, les galeries machin chose. Voilà. Ah, Guiyang, ils sont bien dépensiers quand même. Hein. À première vue, oui. À Déplace Mall, sûrement à Huaguoyu. Alors, juste... juste de l'autre côté de la montagne, peut-être. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, ça c'est chaud. Tu les as brûlés, tu as mis de l'eau bouillante? Tu les avais bouillantes? Ok. Alors, Béga, Langay, machin chose. Troisième boutique à Guiyang, dans le district Nanminchu. Donc Nanminchu, ça commence juste de l'autre côté de la montagne qui est en face de mon bureau. Ah, ça commence juste en bas à YouTube, bah ouais. Ok, c'est juste en bas de chez moi que ça commence ce quartier-là. Le déplace, tu vois, il y a les tours jumelles là où on était. Donc on a... je pourrais vous emmener en live jusque-là, jusqu'à la fenêtre, mais c'est juste en face de chez moi, du coup, en 8 minutes j'y suis. En voiture. Ouais. Vas-y, tu peux. Non, ça va être compliqué. Parce que c'est accroché. Bah, ça, c'est que. Enfin, on sait de chier. Ok, essayez. Tu peux essayer, pourquoi pas. On va essayer de vous montrer. Vas-y, fais tourner. Attention. Ah non, on voit pas. Vas-y. Éteins cette lumière-là. Est-ce qu'on va réussir à voir les tours là-bas? Attends. Ah, on y est presque. Coupons la lumière. On va tout casser, je le sens. Ouais, vous voyez là-bas les tours, les deux gratte-ciel, c'est des tours jumelles en fait, mais il y en a une qui est devant l'autre. Là, du coup, on ne voit pas vraiment qu'il y en a deux, mais c'est là-bas que sera du coup le nouveau Galerie Lafayette. Excellent, comment ça s'appelle? Red, merci pour la nouvelle. Non, il ne faut pas tourner, c'est pas la peine, il faut le mettre comme ça et puis voilà. Oh, badin! Comme ça. Voilà, et ensuite, il faut essayer de remettre le truc à peu près au milieu. C'est n'importe quoi notre truc. Intéressant! Et bien, du coup, on vous emmènera là-bas. Moi, je dis, ça serait intéressant. Quand est-ce qu'il prévoit l'ouverture? Non. Pour la main. Hop.
Voilà, ça devrait être pas mal comme ça, à peu près. Hein. Ouais, c'est un peu de travers maintenant, tout est cassé, mais c'est pas grave. Alors, quand est-ce qu'ils vont ouvrir ça? Non, mais c'est bon, tu... Tu peux bouger les pieds en bas, tu peux ouvrir les pieds en bas, mon bébé. Il y a les petits clips. Alors, les galeries Lafayette... C'est en quelle année qu'ils vont ouvrir? Ah, au printemps 2022. Donc, le mall, les magasins, ils vont ouvrir donc en 2021. Ça, c'est bientôt. Et les galeries Lafayette au printemps 2022. Ça va être dans un petit peu longtemps, mais c'est intéressant. Du coup, on vous emmènera là-bas. Super, maintenant. C'est bien, c'est tout droit, c'est parfait comme ça. Salut les amoureux, Xavier. Bienvenue, Xavier. Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. On fait tomber tous les trucs, on vide tous les meubles et on a tout cassé. Laisse tomber, c'est fini. Quand a débuté la Seconde Guerre mondiale? Quelle question, Lolo. Quelle année. Alors, vous êtes de quel signe horoscope chinois? Je suis du signe du lapin. Tu es de quel signe horoscope chinois, mon bébé? Chien. Du signe du chien. J'ai vu un ovni passer, nous dit Info Furax TV. C'est ça, je pense. On sache pas. C'est quoi la tour bleue, nous demande B. B, c'était pas une tour bleue, c'était deux tours, c'est des tours jumelles, sauf que elles sont très légèrement presque l'une en face de l'autre. Du coup, quand on les regarde de ce côté-là, ça s'appelle les tours jumelles de Guiyang, au final, dans le nouveau centre-ville de Huaguoyuan. Je ne sais pas traduire Huaguoyuan, c'est Huaguoyuan, quoi. Garland, ah, ils appellent ça Garland, G-A-R-L-A-N-D. Vous cherchez Garland Guiyang si ça vous intéresse. La dernière fois, j'avais fait un live depuis justement tout ce qui était galerie commerciale et compagnie. Vous pouvez regarder ça, tu vois, live galerie commerciale, ça s'appelle, sur la chaîne. Tes conseils? Tes concentres. Oh, du Tai Kung Fu, c'est du Tai Chi Ba? Non, mais c'est bon. Je sais pas. Ça, c'est un chame gué, chame donchi, ça. C'est bon. C'est un peu... Il est un peu saturé, déjà. Alors, donc, ce n'était pas des tours bleues, c'était les tours jumelles depuis là-bas. Je mettrai un truc sur mon Instagram, tiens, aujourd'hui, si ça vous intéresse, de photos que j'ai prises là-bas hier soir. La technologie, c'est compliqué. Surtout quand on fait n'importe quoi. Surtout pour les femmes. Non, mais on... Enfin, de toute façon, voilà. Moi. Aujourd'hui, il y a tout qui est compliqué, quoi. Laisse tomber. Tu connais une bonne application pour apprendre le chinois? Je connais une bonne méthode. On est en train d'ouvrir ce qu'on appelle l'école du chinois. Tu as un lien au-dessus ou en dessous, dans la description. Et ça permettra aussi d'avoir accès sur... C'est n'importe quoi aujourd'hui. Sur le smartphone, sur l'iPad, sur les tablettes et compagnie. Et ça sera pas mal, donc, ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà, c'est tout nouveau encore. C'est tout nouveau encore, mais ça va être bien. On est en train de créer des nouveaux trucs, ça va être génial. Satang, non mais ouais, c'est laisse tomber. Je veux bien vous apprendre l'informatique. Merci Lolo. La technologie, c'est pas ça évolue vite. Ah voilà, par contre, ça évolue vite. Tu sais qu'en Chine, on est déjà sur la 6G là. Ils sont en train de paniquer en France avec la 5G. Bah ils ont envoyé un satellite là pour la 6G les Chinois. Les gens, ils sont en train de paniquer. La plupart du monde, des pays du monde, ils sont en train de paniquer avec la 5G. Il n'y a qu'une trentaine ou quarantaine de pays qui ont la 5G pour l'instant, tu vois, dont la Chine et nous ici à Guiyang, on l'a. Et qui commencent déjà à attaquer la 6G, quoi. Ici, les gens, ils vont devenir fous, quoi. Bon, voilà pour ce début de live. Deuxième question. Comment utiliser ceci? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, je vous le montre. Ben non, je peux pas, j'allais vous dire, essayez de deviner ce que c'est et tout, mais en fait, c'est écrit sur l'écran, quoi, maintenant. Mais ça aurait été sympa. Waouh, mise au point de malade. Attends, je suis aussi de lien. Voilà. Un bâton d'encre de Chine, et on voit qu'il est d'ailleurs usé, que je l'utilise au bout ici. Comment utiliser un bâton d'encre de Chine, me demande-t-on? C'est très simple. Un bâton d'encre de Chine, au final, c'est de l'encre de Chine qui est séchée et qu'on a compressée. Donc ça, c'est de l'encre de Chine déjà à la base. Comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, il suffira juste de rajouter de l'eau. C'est-à-dire que tu vas utiliser une pierre à encre. Moi, j'utilise celle-ci. Elle a l'avantage d'avoir un couvercle. Attention. Super, merci.
Du coup, après, l'encre ne ressèche pas trop vite parce que sinon, elle ressèche et puis ça fait ça. Attention, encore, vous allez voir mon truc comment c'est dégueulasse, mais au moins, ça prouve que je l'utilise. Et puis, donc, ça ressèche pas trop vite, mais sinon, ça sèche. Voilà. Vous mettez un petit peu d'eau parce que pour l'encre de Chine, on va travailler sur la saturation. Plus c'est saturé, enfin si elle est saturée, elle sera tout simplement bien noire. Et après, vous pouvez faire un petit peu moins saturé pour faire des effets de couleur, notamment pour la peinture, pour ce qui est caractère chinois, écriture, calligraphie chinoise. On fera généralement avec de l'encre noire, noire bien saturée. Pour la peinture, on peut jouer aussi sur les nuances. Donc vous mettez un petit peu d'eau, on va partir sur l'idée que vous voulez faire de la calligraphie chinoise, vous mettez un tout petit peu d'eau, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre bâton. Merci. Ouais. Il y en a qui mettent du thé à la place de l'eau. Comme ça, après, ça sent bon aussi quand ils écrivent. Ou bien alors, de l'eau avec des infusions de fleurs, des choses comme ça. Bon à savoir pour les professionnels. Et ensuite, vous prenez votre bâton et puis vous le mettez dessus. Et puis vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. C'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps pour après saturer l'eau en encre de Chine, surtout si vous mettez beaucoup d'eau, mettez pas trop d'eau. Et beaucoup de maîtres de calligraphie vous expliqueront que c'est un process. Après, tu vois, la calligraphie chinoise, c'est un art aussi. Et pendant ce temps-là, pendant que tu es en train de frotter ton machin, tu peux aussi réfléchir à ce que tu vas écrire, méditer un petit peu. C'est une sorte de méditation. Donc, beaucoup de gens aiment bien aussi cette partie-là. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, c'est fatigant, c'est compliqué, il faut moudre son machin, écraser le truc et attendre pendant une heure, machin. » Tu vois, moi, j'ai juste envie d'écrire des caractères. C'est qu'il y a un problème au niveau, justement, de ta philosophie. On est là pour faire de l'art, on est là pour prendre son temps, on est là pour se concentrer, tu vois. Et les choses prennent leur temps, il faut savoir un petit peu laisser le temps au temps, et puis méditer un petit peu, réfléchir à ce que tu vas faire, voir mentalement la peinture que tu vas réaliser ou l'œuvre de calligraphie que tu vas écrire. Et ça fait partie du process, c'est ça qui est important aussi. Sinon, on prendrait tous de l'encre en bouteille, quoi, tu vois. Voilà, donc ça fait partie du truc, et c'est tout simplement comme ça qu'on utilise le bâton d'encre de Chine. On en avait parlé dans un live précédent au niveau des qualités des bâtons d'encre de Chine. Il en existe plusieurs qualités. Renseignez-vous là-dessus aussi. Je ne sais plus quelle région fait l'encre de Chine la plus qualitative ou quelle marque éventuellement. Mais ça peut varier beaucoup aussi. C'est comme pour les thés, c'est comme pour les vins ou ce genre de produits. Notamment aussi tout ce qui est artistique. Si vous êtes artiste, vous le savez peut-être aussi, au niveau des crayons, au niveau des peintures, des gouaches, des aquarelles, etc., en fonction des marques, des gammes de prix, etc. Il y aura aussi différentes qualités. Faites attention à ce que vous achetez. Les trucs tout pourris que l'on peut trouver parfois, qui ne sont pas chers, ne sont pas très qualitatifs au niveau du résultat final. Le truc, tu vas le frotter pendant une heure et à la fin... une bouillie et pas de faire quelque chose de joli au niveau du rendu de la couleur et de la saturation. Alors, c'est quoi ce breuvage? C'est un truc hilarant. Je sais même pas c'est quoi du coup comme thé, mais il est plutôt bon. Mais c'est pas un thé qui fait rire, c'est pas du maodian. Hein. C'est peut-être, ouais. Je sais pas, c'était fort saturé la première. Du thé, pointe de poil de Douyin dans le Guizhou. C'est juste pas loin de chez nous. Je sais pas où il y a l'agenda. J'en sais rien. Red, le choix de Guiyang me surprend un peu. J'aurais plus vu à Chengdu, Shenzhen ou encore Chongqing. C'est parce que tu sais pas, les gens ici, comment ils sont fous au niveau des dépenses. C'est-à-dire que à Chengdu, à Shenzhen ou à Chongqing ou même à Guangzhou ou n'importe quoi, la vie est moins chère qu'ici. Les gens à Guiyang sont très dépensiers. Et tu as l'impression qu'ils manquent jamais d'argent, franchement. Ils achètent des trucs, ils achètent des apparts, ils achètent des voitures, ils achètent des trucs de luxe, des vêtements aussi relativement qualitatifs qui coûtent une fortune. Ça ne m'étonne pas, moi, du tout qu'ils aient choisi Guiyang. Guiyang, c'était une des premières villes aussi qui avait suivi les limitations au niveau justement des voitures en ville par les numéros de plaque d'immatriculation parce qu'il y avait trop de gens qui avaient des voitures ici dans la ville. C'était un des premiers aussi à avoir eu des contrôles au niveau du prix des appartements parce que justement il y avait trop de spéculation au niveau de l'immobilier. Guiyang, comment ça s'appelle, les dépenses,
c'est d'une violence, tu peux pas comprendre quoi. C'est hallucinant. Le coût de la vie à Guiyang est beaucoup plus cher que dans pas mal de villes de Chine, si ce n'est Pékin et Shanghai. Ouais, c'est ça. c'est voilà, faut pas penser que à Guiyang c'est une ville qu'on connaît moins bien, etc. Ça va être moins cher. Guiyang, dans la ville, voilà, Guiyang voilà, ça veut dire fait, cher. si tu veux faire une avec blague ça. Avec ça, ouais. Non, les gens, t'as l'impression que ouais, ils dépensent comme des malades quoi. C'est pas une impression en fait. Les gens, ils dépensent comme des malades, ils achètent des voitures, ils achètent des apparts, ils achètent des trucs de luxe, des trucs comme ça. Donc, le fait qu'ils mettent une galerie Lafayette ici, moi, ça ne m'étonne pas du tout quand tu connais la ville. Ah, là, pas de souci, quoi. Même quand tu regardes ouais, le prix des taxis, le prix des hôtels, le prix de tout. Tu regardes les prix de taxis dans la Chine, quoi. C'est le même prix de Pékin, Shanghai, au début. C'est ça. Alors, maintenant, Shanghai, ça a monté un petit peu, mais on est quand même bien cher. Ça, c'est notre thé, le thé Douyin du Guizhou. Si vous avez possibilité d'acquérir ce genre de thé vert donc, en Occident, de demander à votre revendeur de thé habituel, il est pas mal du tout. Alors, Citon, je ne connais pas. Un agenda avec toute la bouffe. Ouais. C'est pour faire un programme quand on va partir en road trip, on va prendre la voiture, on va suivre la route de tout ça et puis on va tout prendre. Ça va être bien. C'est du Mao Tai. Non, il y a pas de Mao Tai dans notre côté. Mao Tai 酒, tu peux imaginer, c'est nous qui le trouvons. Mao Tai 酒, un pint, c'est. Par rapport au prix, justement, de Red Red nous disait, ça me surprend un petit peu, mais quand tu vois, par exemple, le Mao Tai 酒 ici, c'est 200€ la bouteille, quoi. Tu vois. Pas plus, 2000€ là, 300€ là. Donc plus de 300€ la bouteille, 300€ la bouteille environ. Ouais. Tu vois, t'imagines un petit peu le truc, quoi. Même en France, on se prend pas des bouteilles à 300€ comme ça à tous les repas, quoi. Faut pas rigoler non plus. Pourquoi avoir choisi un appartement plutôt qu'une maison? Donc nous, on a le meilleur des deux mondes, on est quand même dans un duplex, ce qui nous permet d'avoir une bonne surface et de vivre relativement confortablement. On a une bonne vue et tout ça, donc on est plutôt bien. Et parce qu'une villa dans une grande ville de Chine, surtout à Guiyang justement, ça coûte une fortune. Bon, je ne sais pas, là, regarde là. Ouais, nous ici, on est à peu près à 120 000€ l'appart, un truc comme ça. À peu près, un peu plus peut-être. La dernière fois, la villa de la petite tante, c'était 1 million. Ah. 1 million d'euros, et c'était il y a un paquet d'années déjà. C'est un budget... Et ouais, en plus, elle l'avait eu moins cher, justement, parce qu'elle l'avait construite. Les villas en bas, ouais, elles sont à 700 000€, je crois. Pas de Chihuahua. Et en plus, c'est même pas des vraies villas, ouais. C'est des maisons avec qui sont collées les unes aux autres. Il n'y a pas de jardin, il y a pas de grand jardin, il y a rien quoi. Donc c'est une question de budget notamment. Si on avait 1 million à claquer, pourquoi pas, mais même peut-être même pas ici du coup parce que c'est pas bon, bien sûr. Ouais, après, on n'est pas tout le temps en Chine. C'est ça, si tu dois embaucher quelqu'un après pour t'occuper de la maison, du jardin, etc., quand tu n'es pas là, tu vois, ça vaut pas le coup. Et puis nous, on voyage beaucoup. Là, on est à la maison en Chine, justement, parce qu'il y a le virus, tu vois. Sinon, à part ça, avant, on était en Thaïlande, avant, on était en Chine, et avant ça, on était en France, en Hongrie, en Belgique, compagnie, et avant ça, on était à Shanghai. On bouge tout le temps, tu vois. Et du coup, investir dans une maison, si on prévoit pas de rester au moins, d'avoir une base quelque part, ça fait pas de sens non plus, quoi. Donc, voilà. Ceci explique cela. Dans la globalité, il y a pas mal de choses qui vont pousser à l'achat d'un appart. Quand on n'est pas là, voilà, on le laisse à beau-papa, mais même pour beau-papa, c'est déjà bien grand, quoi. T'imagines si c'était une maison en plus, il serait fou, quoi. Ça va pas du tout, quoi. Attends, on a une chambre, deux chambres, trois chambres, une cuisine, une toilette en bas. En haut, on a une chambre, un bureau, une salle de sport, une salle de jeu, un toilette aussi. Ouais, ça va, quoi. C'est bon, quoi. Faut pas une maison, ça serait complètement abusé. Déjà comme ça, c'est abusé, quoi. Lorsque j'aime ou je n'aime pas, je le dis, je suis pas un faux ami. Ok, bah t'as raison. Moi non plus, hein, faut pas rigoler non plus. Il faut dire ce qu'on pense, quoi. Alors, voilà pour cette question maintenant.
Troisième question. Quel sera l'avenir des produits made in China? Ah, on m'a posé la question parce qu'on est dans le 13e plan quinquennal, ou je ne sais plus combien de quoi, en Chine, qui vient de s'organiser donc, au niveau politique à Pékin. Et il prévoit un petit peu l'avenir de la Chine pour les 5 prochaines années, 2021 jusqu'à 2025. Et ce qu'ils veulent vraiment, donc ils veulent booster la consommation intérieure, ils veulent continuer à sortir eh bien, la population, notamment de tout ce qui est dans les campagnes, de la pauvreté et de l'extrême pauvreté. Là, ils ont fait un gros boulot là-dessus les 10 dernières années, c'est quand même pas mal. Et ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est aussi améliorer l'image des produits made in China et ne plus être vraiment dans tout ce qui est cheap. Et puis, produit bas de gamme et l'usine du monde. Ils veulent vraiment partir dans une montée en gamme, un petit peu comme une transition que Taïwan avait fait au niveau de la région du sud-est asiatique ou le Japon avant ou ce genre de choses, tu vois. Avant, on avait Made in Taiwan, Made in Japan, etc. C'était pas si bon que ça au niveau de la qualité. Alors, c'était il y a quelques dizaines d'années. Pour la plupart des gens, vous en souvenez plus. Ça a été des périodes assez courtes. Mais maintenant, quand on dit Made in Japan, Made in Taiwan, on a l'impression d'avoir quelque chose de plus qualitatif quand même, tu vois, d'avoir des produits de haute technologie, ce genre de choses. Et donc, la Chine, ça a été un gros morceau, tu vois, au niveau de l'Asie, la Chine continentale, ça a été un énorme truc pendant quelques années. Donc, c'est vraiment devenu un cliché. Les petits clichés des autres pays, tu vois, des autres endroits auparavant, ils ont vite disparu en quelques années quand même, tu vois. Mais la Chine, c'est devenu un gros cliché, le made in China, c'est tout pourri. Et voilà, alors que pourtant, si tu vois, en Chine, qu'on va faire les ordinateurs les plus vendus du monde, tu vois, les Lenovo, c'est aussi là où on va fabriquer ton iPhone, où on va fabriquer ton téléphone, ou la plupart des choses que tu as à la maison et qui, au final, ne sont pas forcément de mauvaise qualité, je suppose. Et donc maintenant, la Chine, le gouvernement chinois a décidé donc d'axer un petit peu tout ça sur une image qualitative un petit peu supérieure vis-à-vis de ses produits. Et notamment, on voit avec les produits high-tech, avec les téléphones, tu vois, Xiaomi qui monte énormément aussi au niveau de tout ce qui est téléphonie mobile. Tu vois, Xiaomi et Huawei, ils ont complètement aussi détrôné l'image qualitative qu'on avait avant des produits coréens, tu vois, avec Samsung et leurs téléphones, etc. Maintenant, on n'en parle quasiment plus, tu vois. Ah, c'est intéressant, enfin quasiment plus. Ça va, heureusement Samsung, en tout cas, ça va encore. On en a d'autres un peu moins. Motorola, je ne sais plus c'était quel pays, mais voilà, c'est quoi Motorola maintenant? Ils essayent de faire des pubs par-ci par-là, mais on n'en voit plus, quoi, tu vois. Et donc voilà, l'avenir des produits made in China, en tant que produits made in China, ça va être des produits plus qualitatifs. Et donc maintenant, les personnes qui recherchent le cliché made in China, ça sera plus made in Bangladesh pour le textile, ça sera plus made in Vietnam pour les produits bazar, ça sera plus made in Éthiopie pour les vêtements et des choses comme ça. Donc voilà l'avenir tel qu'on le voit et en tout cas tel que la tendance lancée est partie. Alors, B nous dit c'est l'équivalent d'une maison. Oui, c'est ça. Au final, notre appartement ici, c'est l'équivalent de la maison qu'on avait en France avant, quoi. Tu vois, au niveau de même un petit peu plus grand. Oui, c'est plus grand. Au niveau mais de la superficie, au niveau de... On n'a pas de jardin. Mais en France, on avait un petit jardin. Garage. Pas de garage non plus. On a un gros parking en bas, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent d'une maison au final. Sauf qu'elle est sur deux étages dans un immeuble, quoi. C'est ça. J'aimerais faire mon oral de bac sur la Chine. Je m'intéresse à la science politique et particulièrement à la Chine car j'adore ce pays. Mais il y a énormément à dire. Il y a énormément à dire, il y a énormément à faire. Ce qu'il faut après, c'est faire attention au niveau des examinateurs. Certains, parfois, ont les idées bien arrêtées, comme beaucoup d'ailleurs de personnes en Occident. Mais si tu apportes quelques images, quelques nouvelles, quelque chose croustillante de manière subtile, ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Alors, pas aussi direct que nous dans les lives, quoi, parce que nous, on vous montre ce qu'on voit, ce qu'on vit. Mais des fois, les gens, ils veulent pas te croire, quoi. Quel est le meilleur smartphone chinois du moment? Puisqu'on parlait des produits made in China. Cette question qu'on me pose ici est intéressante et à la fois, elle est un petit peu gênante parce qu'elle n'est pas assez précise, je n'ai pas assez de contexte. Le meilleur smartphone chinois, pour toi, ce ne sera pas forcément le meilleur smartphone chinois pour moi, tu vois. Moi, j'aime bien faire de la photo, j'aime bien faire de la vidéo. Pour les lives, par exemple, tu vois, on a le Huawei P40 Pro qui est quand même pas mal, qui permet d'avoir une bonne image, qui permet, quand tu sors aussi, de faire un zoom x50, des choses comme ça, pour la photo, pour Instagram, pour les choses comme ça. Tu vois, c'est sympa, quoi. Il y a d'autres personnes,
comme les femmes qui ont plutôt préféré les photos, c'est plus joli. Voilà, les femmes, justement par rapport à Instagram, parce que moi, tu vois, je ne fais pas des photos de moi, je fais des photos des immeubles, je fais des photos des choses que je vois dans la rue, etc. Mais tu as les Instagrammeuses, elles vont faire des photos d'elles, et ce qui sera intéressant pour elles, ça sera l'intelligence artificielle, voilà, les téléphones Vivo, les téléphones Oppo éventuellement aussi, je pense. Oui, ça fait le qui font des belles photos, justement, et ça fait du Photoshop en direct, ça fait du je ne sais pas comment ça s'appelle, quoi. Avec tous les filtres, avec toutes les améliorations pour rendre la peau plus douce, les choses comme ça, qui te rajoute du maquillage en live, etc. Tu vois le truc, t'as rien à faire, que tu fais la photo, c'est bon, tu viens de te réveiller, t'es tout moche et tout, tu fais la photo, là. Ah, c'est moi ça, c'est bien comme ça, tu vois, et puis tu sors dehors, t'es confiant et tout, quoi. Ouais, ils me regardent bizarre, les gens. Non, c'est ça, quoi. Donc, pour une Instagrammeuse et qui a un budget de moins de 200 euros, par exemple, peut-être qu'un Vivo, un Oppo, ça serait intéressant. Pour une Instagrammeuse qui a un plus gros budget aussi, un Vivo ou un Oppo, ça serait intéressant aussi. Xiaomi, il y a le 10 qui est pas mal aussi. Avant-hier, ils en ont sorti un nouveau Xiaomi, ma vénérable épouse me dit. Donc, super appareil photo devant, derrière. Super rapide. 我不记得那些具体的数字了哈，然后反正就是各方面的性能都还挺好的，最高才1900多，所以好多人抢。 Ah, moins de 2000 yuan chinois, donc ça fait environ un peu moins de 300 euros, quoi. Ouais, du coup, voilà, le meilleur smartphone chinois du moment pour un budget de 300 euros, ça serait peut-être ce nouveau Xiaomi qui vient de sortir. Tu sais, c'est quoi la référence? Mon téléphone est là-bas. Ce n'est pas mon. Lui, il est très joli. 那个有我的淘宝吗? Je pense. Voilà, tu vois, un smartphone chinois, ça peut être intéressant. Si pour toi, ce qui est important, c'est la photo, c'est la vidéo, c'est le zoom, par exemple, sur le téléphone, le Huawei P40 est très intéressant. Le Huawei P40, il a aussi un gros avantage, c'est la qualité de l'image, l'écran, il est juste magnifique. Si pour toi, par contre, la batterie est aussi importante, le P40 Pro, c'est pas le truc, quoi. Ça va pas, quoi. Le P40 Pro, il a une batterie qui tient un jour et demi, quoi. C'est pas mal, c'est mieux que les iPhones, par exemple. Ici, lui, alors là, on a changé la batterie pour une batterie haute capacité, mais avant, c'était juste pas possible, quoi. Le truc, tu dois recharger deux fois par jour. Ça dépend au final de ce que tu recherches et de ton budget, tu vois. Parce que le P40, c'était cher, quand même. C'était quoi, 6000, 5000 yuan chinois? Presque 1000 euros, le truc, celui-là. Ça fait un mois, j'ai déjà oublié. 5600, un truc comme ça, je pense. De faire 800 euros, quoi, j'en sais rien. C'est plus. Ben voilà, tu vois, ça dépend du budget aussi que tu as, quoi. Nous, quand on avait acheté les iPhone 10. Oh, 5988. À 8, donc ça, 5688 yuan chinois. C'est ça? Un promo. En promo, donc ça fait 800-900 euros, je suppose. 5800 les iPhone X, tu vois, pour moi, c'était important aussi au niveau de la vidéo, au niveau de la photo, et puis pour le boulot, les montages, les trucs que je fais sur YouTube, etc. C'était intéressant pour moi quand ils sont sortis, quoi. Mais bon, c'était aussi 1000 ou 1200 euros, quoi. C'est violent comme truc. Note 9 de Xiaomi, regardez ça pour un budget en dessous de 300 euros, tu vois. Si vous voulez, attendez, elle vérifie, pas d'urgence. Je vais regarder vos commentaires. Si, c'est celui-là, c'est celui-là. Note 9 Pro. Note 9 Pro. Ouais, t'as 1000 euros. Ah là. C'est comme ça. Alors, question. Comment est structuré l'urbanisme à Guiyang? Bah, ils font comme ils peuvent avec les montagnes. Ils font péter les montagnes et la dynamite et puis ils essayent de construire là où ils peuvent, quoi, comme pour le métro, quoi. Ça fait des années qu'ils sont dessus parce que c'est que de la pierre, quoi. On est dans une région 100% montagneuse, la capitale de la région Guiyang ne fait pas exception. Du coup, on est structuré en fonction des montagnes et des vallées. Et la ville, du coup, est bien aérée et tout, ça fait plaisir. Et nous, on a la petite montagne, justement, entre nous et le nouveau centre-ville. C'est vraiment sympa. Je viens de recevoir mon smartphone Vivo. Le rapport perf-prix est absolument exceptionnel. Et dis-nous, justement, pour la photo, ce que tu en penses aussi. Notamment aussi... Voilà, notamment au niveau des photos, des selfies, on dit ça en français, c'est en anglais. C'est trop différent que iPhone. Bébé nous demande si on a beaucoup d'espaces verts. Ouais, carrément, à Guiyang, on a plein d'espaces verts, plein de parcs et tout, parce qu'il y a des montagnes partout.
Et même en centre-ville, du coup, on a des parcs partout, on a des montagnes partout. Voilà. 我们这里就是其实也是一个 attends,他们才平的, 我们是最适合居住的一个像村城一样的地方, 是个村城. Mm. Ça veut dire quoi, 村城? 基本上都是春天的感觉. Ah, ouais, au niveau de... Ouais, c'est propre, bruyant. C'est, y a énormément d'espaces verts, énormément d'arbres. Le temps est bon la plupart du temps de l'année. On a juste quelques jours parfois en hiver où il fait quand même sacrément humide et sacrément froid. Et ça dure pendant une semaine. Et ensuite, ça revient. Et ensuite, on en a encore, par exemple, pendant une semaine. Et ensuite, c'est bon. Ouais, on n'est jamais en dessous de moins 3, moins 4 en hiver. Et en été, on n'est jamais à plus que 30, 35, 33. Ouais. C'est presque le printemps toute l'année. Ouais. Au final, c'est ça qui est bien. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre contre la Chine. Bah ouais, bah nous non plus. Alors, Thibaut, ton P40 a du mal avec le focus quand même. Oh, ça ne marche plus. On va regarder. Problème de connexion. Boivons. Ton P40 Pro a du mal avec le focus quand même. Ouais, alors ça, c'est un truc rigolo. C'est que depuis qu'on s'est mis de l'autre côté, tu vois, avec la fresque derrière... il n'arrête pas de changer le focus. Alors, on a même mis des post-it sur les pigeons, tu vois, parce qu'on avait peur qu'il ait... Regarde, sur la tête des pigeons, il y a des post-it. Parce qu'on pensait que justement, il cherchait quelque chose. Peut-être qu'il fait le focus sur le micro, là, je ne sais pas, justement. On se pose la question, justement. Donc, si vous avez une idée, depuis qu'on s'est mis de l'autre côté, le P40, il essaye de focuser sur quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Première vue, il est focusé sur le micro, là. Hein. Donc voilà, c'était la question qu'on se posait nous aussi. C'est pour ça qu'on a mis les trucs sur les pigeons. Mais au final, ils ne cherchent pas les pigeons, le focus, le P40. La guerre, sino, a déjà eu lieu, elle est économique. Ouais, après, c'est la géopolitique. Le monde entier se bat pour son truc, quoi. Alors, je vous laisse. Bonne nuit. Salut Maïté. Bonne fin d'après-midi aux Français. Bonne journée aux Chinois. Ah non, nous, c'est le soir. Hein, là. C'est la nuit. Là. Portez-vous bien. T'en penses quoi de la 5G? Négatif, positif? Il n'y a pas encore assez de stations, on trouve, parce qu'ils ne les allument pas toutes, parce que ça prend de l'énergie. Du coup, on n'a pas trop d'opinion. On a testé, fait des tests. Effectivement, ça va très vite pour Internet. Donc, c'est plutôt positif. Mais à l'occasion, on se mettra pas loin d'une station 5G. Et puis, on fera plein de tests. Et puis, on vous en dira ce qu'on en pense, quoi. Les USA, ouais... La Chine s'isole, ouais, géopolitiquement parlant, il faut suivre. Vivo, donc Thibaut, Vivo IQOO5 pour la référence, pour la photo, ça dépend de ce que tu aimes. Le P30 Pro et le P40 Pro ont un traitement automatique pour embellir les photos. Perso, je préfère le Vivo pour un rendu naturel. Intéressant. Ouais, nous, on a, ouais, je sais pas, au niveau des selfies, notamment pour le P40, on a trouvé ça moyen. Pour les photos d'architecture, ce genre de choses, ça va. Donc, voilà. Ah, l'iPhone est pas mal. Ouais. L'iPhone, c'est plus naturel en tout cas. Ouais. Faudra voir le Vivo. Vivo par rapport à iPhone, si tu sais, je sais pas. Quelle est l'année courante dans le calendrier chinois, nous demande-t-on? Ça, c'est intéressant. On me posait la question aussi quand on était en Thaïlande. C'était quelle année en Thaïlande? On était en 2662. C'était rigolo d'avoir ça sur la plaque d'immatriculation et tout ça. Alors, il y a plein de choses à noter sur le calendrier chinois. Déjà, c'est quelque chose, c'est un système mathématique complexe, mais qui a aussi évolué avec les années. On pourrait dire que selon la base initiale, il faudrait rajouter 2697, parce que ça date de moins 2697 avant JC. Il faudrait rajouter du coup 2697 à l'année d'aujourd'hui, ce qui fait que nous serions en 4717. Cette année sur le calendrier chinois, en sachant bien évidemment qu'eux, ils ne l'appellent pas 4717, ils l'appellent année de tel cycle, de tel élément et de tel animal. Voilà, mais si tu veux des années, ce sera ça, quoi. C'est ça, on a des cycles de 60 ans. Et après, donc chaque cycle de 60 ans est coupé en cycles de 12 ans, les 12 signes du zodiaque, fois les 5 éléments au final, etc., etc. Mais si tu voulais savoir une année, en tout cas, ça serait 4717, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, hein, tu comptes 2020 plus 4, plus 2697. Voilà.
C'est comme ça. Et en, si ça t'intéresse, sur le calendrier du coup thaïlandais, on doit être en 2663 ou 2664. Mais c'est rigolo ça. C'est rigolo de se dire, voilà, on est sur telle année et au final... C'est en 1912, je crois, qu'ils ont décidé de se caser sur le calendrier grégorien, donc 1912 en l'occurrence à l'époque, et prendre le système occidental pour une nomenclature internationale. Parce qu'avant, justement, ils utilisaient encore ça. Mais c'est intéressant, ouais, pourquoi pas. Question, pourquoi pas, ça peut en intéresser plus tard. En tout cas, pour l'anecdote, c'est rigolo de se dire qu'on est en 4717. Thibaut, l'iPhone reste le meilleur en vidéo. iPhone 11, ouais, pour la vidéo, moi, franchement, bah, tu vois, justement, là, comme on a pris un nouveau P40 Pro, je recycle un des deux iPhone X maintenant pour faire uniquement de la vidéo et parce que, justement, on a des problèmes de batterie aussi. C'est ça le souci, c'est que si tu fais la batterie plus les choses de la vie de tous les jours sur ton iPhone, au bout de quelques heures, c'est mort, c'est fini, t'as plus rien, quoi. Tu vois, si tu veux faire le GPS, quelques vidéos et puis utiliser ton téléphone comme normal, quoi. Après quelques heures, c'est fini, quoi, il n'y a plus rien. Donc, je vais en utiliser un pour la vie de tous les jours et un autre pour la vidéo parce que je reste convaincu, ouais, effectivement, que l'iPhone, c'est super pratique, très bon, très bonne vidéo, etc. Et beaucoup plus facile à trinque-baller que... Attention ! Bien là, la bouboule. Que ce genre de choses. Et encore, celui-là, c'est un petit, parce que j'ai le 650D aussi qui fait son pesant et tout ça. Et lui, il est beaucoup plus petit. Je l'emmenais notamment en Thaïlande, c'est plus pratique. Mais ça reste quand même pas pratique à mettre dans la poche, ce genre de truc. J'ai un petit micro qui ressemble à ça, mais en plus petit, que je peux mettre un jour, que je peux mettre sur l'iPhone. Et puis, je prends ça et puis je le mets dans le sac. Et puis, voilà, je peux faire des vidéos comme ça sur le vif, quoi. Pas vraiment d'amélioration avec le 12 à mon sens, c'est bon à savoir. Pour l'instant, je n'ai pas encore ressenti l'obligation, le besoin en tout cas de passer à l'iPhone 12. Donc, on a changé les batteries sur ça par contre, sur les deux. Et puis on continue comme ça. Ça fait bizarre le truc qui balance derrière maintenant. 11 Pro. Ah, le 11 Pro, il avait un avantage par contre, c'était l'objectif grand angle qu'on n'a pas nous sur le 10. Mais oh, salut Frigui Afali. Salut de la Russie, nous dit Yvan. Et, ben, on n'a jamais eu des Russes encore. Salutations à toi. Je suis russe, j'ai une tête de russe, moi, non? Voilà. Salut à toi. Tu arrives juste pour la fin du live qui va se terminer d'ici quelques secondes. Il est minuit 4 en Chine, ça fait une heure déjà qu'on est en live. On termine heure française, 16h-17h, donc il est 17h04 en France. On va couper là. Bah merci en tout cas à tous pour vos échanges, c'était vraiment sympa. Et puis, c'était top. Oui, c'était bien. Pas trop de soucis de connexion aujourd'hui, c'était bien. Et puis, très enrichissant. Même nous, on apprend des trucs. Ah. C'est dit. Je parle beaucoup, en fait, moi, quand même. On se retrouve demain, même heure, même endroit, probablement. Demain dimanche, ouais. Donc, 16h, 17h, heure française, si je ne me trompe pas. Mindian Dian.